tous. Avant de commencer, d'abord, je tiens d'abord à remercier le professeur pour m'avoir invité. Je remercie ses équipes également pour me donner l'occasion de vous présenter un projet qui me tient à cœur et qui provient du. C'est le fruit de mon cheminement personnel, si je peux dire. Donc, je me présente d'abord et à travers cette présentation-là, vous allez comprendre un petit peu comment j'en suis arrivé à ça. Tout d'abord, j'ai été formé en tant qu'améliorateur des plantes, plus spécifiquement améliorateur de plantes alimentaires. En ce sens, c'était avec le professeur de l'introduction des techniques d'obtention variétale de blé. Ensuite, suite à cela, je me suis encore plus spécialisé dans les technologies végétales. L'obtention, non pas de nouvelles variétés au niveau macroscopique, mais au niveau, si vous voulez, culturé in vitro dans une chambre et dans un laboratoire d'analyse et d'expérimentation. Et ensuite, suite à quelques problèmes de disponibilité de produits, je suis parti sur des plantes sauvages. Je ne dis pas les mauvaises plantes, mais les plantes sauvages. J'ai travaillé sur les plantes sauvages, puis à un certain moment, j'ai rencontré également plusieurs problèmes, essentiellement dus à la méconnaissance de nos plantes, comme l'a précisé le professeur tout à l'heure. Dans un déficit énorme concernant les plantes se trouvant au niveau du territoire national, il y a encore un déficit encore plus énorme sur les plantes médicinales qu'on peut utiliser dans la pharmacie ou bien tout ce que vous voulez, tout ce qui touche les médicaments, que ce soit du côté humain ou bien du côté des techniques. Donc, c'est tout cela qui m'a amené un petit peu à essayer de proposer un embryon de projet que je vais vous exposer. Si ça peut trouver des preneurs et des gens qui veulent s'engager sur ce thème. Donc, mon propos portera sur les plantes à terre. C'est une technique, je vais parler en tant que technicien, d'accord ? Et pas en tant que pharmacien, c'est beaucoup plus pour vous présenter une technique qui peut s'intégrer dans les études pharmaceutiques. Etc. Donc, c'est une technique qu'on appelle les plantes à terre, ou bien comment passer du statut de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur de métabolites secondaires. Entre autres, parmi les métabolites secondaires, on verra tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les huiles essentielles, il y a plusieurs composés phénoliques, des composés azotés, etc., etc. Donc, pour commencer, si vous permettez, un petit rappel juste sur le métabolisme des plantes. Donc, une plante, quand elle reçoit de la lumière, son métabolisme, qu'est-ce qu'il produit? Il produit des métabolites au sein du protoplasme de la cellule. Ces métabolites-là sont de deux catégories. La première catégorie qu'on appelle le métabolisme primaire, c'est un ensemble de métabolites qui est essentiel, qui est vital à la plante, c'est-à-dire que sans ces métabolites-là, la plante ne peut pas vivre, tout simplement. Il rentre dans le métabolisme de la croissance, le métabolisme du développement et le métabolisme de la reproduction, etc. Parmi ces métabolites primaires, on peut citer les acides aminés, les lipides, les carbohydrates, les glucoses, les glucides, pardon, ou bien les acides nucléiques. Par opposition aux métabolites primaires, il existe un deuxième type de métabolites qu'on appelle les métabolites secondaires. Ce sont des métabolites qui, cette fois-ci, n'assurent pas la fonction vitale au niveau de la plante, mais ils agissent et ils sont impliqués dans l'interaction, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre la plante et son environnement, qu'il soit biotique, c'est-à-dire tout ce qui est vivant juste à côté d'elle, ou bien abiotique, c'est-à-dire tout ce qui est sol, terre, etc. Donc, les plus connus sont les composés phénoliques, les composés azotés et les isoprénoïdes. Donc, voilà. Concernant maintenant ces plantes
Ces métabolites secondaires. Ces métabolites secondaires, ils assurent essentiellement trois types de fonctions. Le premier type est une fonction de protection. Protection vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis, par exemple, de l'intensité lumineuse de l'UV. À partir de là, ils vont sécréter des métabolites, par exemple les thémicalpales, les soralènes, etc. Ils assurent également une protection vis-à-vis des attaques pathogènes, par les pathogènes, que ce soit par les vers, que ce soit par les nématodes, que ce soit par les champignons, que ce soit par les insectes, etc. etc. Donc, ils vont sécréter un certain type de métabolites secondaires. Ils peuvent également sécréter, par exemple, des anthocyanes quand il y a des variations de température. Ils peuvent également sécréter un certain nombre de métabolites quand la plante est blessée de façon mécanique, à l'image de la sécrétion de prunestrone, de taxiphonine glycosylée, etc., etc. Le deuxième type de fonction qu'ils assurent est une fonction un petit peu développement, et c'est là qu'ils vont un petit peu chevaucher avec les métabolites primaires. Donc, dans la fonction de développement, ils vont essayer de réguler les flux d'oxygène. Je vous rappelle que les oxygènes, ce sont des hormones qui interviennent essentiellement dans la fabrication et l'élaboration de racines. Donc, ils vont également intervenir dans la fonction de la signalétique, à l'exemple de la sécrétion de l'acide salicylique. Ou bien également, ils vont assurer une fonction de fertilité et de pollinisation, dans le sens où ils vont fabriquer des pigments, qui appartiennent aux anthocyanes, qui vont colorer les fleurs, et les fleurs, grâce à cette pigmentation-là, vont attirer des insectes et des pollinisateurs, et ainsi assurer la dissémination des grains de pollen au travers des entrepôts. Un troisième type de fonction, c'est une fonction d'adaptation et qui concerne essentiellement l'interaction qui existe entre c'est une interaction avec les micro-organismes symbiotiques qui existent au niveau du sol et surtout pour réguler et pour faire face aux carences qui peuvent exister par rapport à la manque de fer, aux nitrates ainsi qu'au phosphore ou bien au phosphate. Donc voilà, grosso modo, les principales fonctions qui existent au niveau qu'assurent les métabolites secondaires. Donc, les métabolites secondaires ont une grande valeur pour plusieurs secteurs. Ici, je vous ai schématisé les deux plus gros utilisateurs de métabolites secondaires. Le premier secteur, c'est l'industrie cosmétique. Par exemple, il y a des métabolites comme le méthoxy-5-soralène qui est utilisé en industrie cosmétique pour traiter le vitiligo ou bien pour traiter le psoriasis. Également, vous avez une autre utilisation en pharmacologie, à l'exemple du taxol. Taxol, je vous rappelle que c'est un métabolite secondaire qui est issu d'un arbre leaf, d'accord voilà, et à partir duquel on extrait le taxol pour fabriquer des médicaments qui sont utilisés en pharmacie oncologique. D'accord? C'est un agent mitoplasique, c'est-à-dire qui arrête le développement de la cellule au niveau de la mitose. Bien sûr, entre autres, vous pouvez également avoir plusieurs utilisations de ces métabolites dans d'autres secteurs, à l'image de l'agriculture. On est à l'état de balbutiement. Par exemple, il y a actuellement un essai de mise en place d'un pesticide qui est basé sur le génome et qui a la capacité d'avoir une activité antimicrobiennes au niveau du métabolite secondaire au niveau de l'industrie du cuir, au niveau du tannage, d'accord? On utilise des galotranas pour essayer un petit peu d'avoir des cuirs de bonne qualité, etc., etc. Donc,
Malheureusement, il existe des contraintes à l'utilisation de ces molécules dans ces industries-là. D'accord? Donc, parmi les contraintes, il y en a plusieurs. J'ai essayé de les résumer sur ces points-là. La première contrainte, c'est que les molécules synthétisées sont synthétisées en petite quantité. Il faut 10 kg d'écorce de Taxus brevifolium pour donner 1 g de taxol. Et 1 g de taxol va être utilisé pour le traitement d'une seule personne cancéreuse. D'accord? Pour vous donner un exemple également, ces 10 kg d'écorce vont provenir d'environ 3 individus qui ont nécessité 150 années pour pouvoir donner cette quantité-là. Donc, vous voyez un petit peu le rapport entre le rendement qui existe entre la plante et ce qu'on peut extraire de deuxième contrainte. C'est que ces molécules, ils proviennent de plantes qui sont rares ou protégées. Donc, on ne peut pas s'amuser à arracher à chaque fois la on ne peut pas extraire ces métabolites, sauf si on arrache complètement la plante. D'accord? Et donc, si la plante est rare et protégée, si vous permettez, elle peut disparaître à tout jamais, on ne peut plus la régénérer. Voilà. Donc, troisième, et ça rejoint le troisième point qui est écrit ici. Donc, conscient à partir de ressources naturelles et destructeurs de la plante, on ne peut pas la régénérer. Ensuite, ces molécules sont difficiles à synthétiser. Et comme l'a bien expliqué tout à l'heure le professeur, il y a des synergies entre les molécules. Donc, on ne peut pas extraire une molécule et la donner directement à un patient ou bien donner à une personne parce que généralement, il y a une synergie d'action entre ces différentes molécules. Ensuite, les coûts de synthèse sont très élevés, nécessitent une technicité élevée et le processus est relativement lent. D'accord? Donc, pour un petit peu dépasser l'exploitation naturelle de ces plantes-là. Donc, il y a des personnes qui ont réfléchi à d'autres techniques, entre autres à la culture cellulaire qui, à l'état industriel, va passer dans des bioréacteurs pour pouvoir justement obtenir un ensemble de métabolites plus tard à extraire au filet, si j'ose dire. Également, les gens sont partis sur la culture de in vitro, non pas de cellules, mais la culture d'in vitro de chevelu racinaire. D'accord? C'est toujours des techniques d'obtention de cellules et d'organes qui se fait au niveau d'un laboratoire d'expérimentation. Sauf que, également, ces techniques-là se heurtent ou bien vont percuter, pardon, j'ai oublié encore une troisième technique qui est celle de la transformation multigénique, qui est un petit peu plus technique et qui nécessite encore plus de travail de laboratoire. Donc, cette technique-là consiste tout d'abord à identifier un gène d'intérêt au sein d'une plante, ensuite à isoler ce gène, ensuite à fabriquer une carte ou bien à fabriquer une construction génétique qu'on va essayer de multiplier par PCR, etc., etc. Ensuite, là, transférer au niveau de la plante par le biais de deux mécanismes, soit par un mécanisme biotique, c'est-à-dire on la transfère sur une bactérie qui est agrobactérie, ou bien par bombardement avec des billes en acide qu'on entraîne avec de l'ADN et qu'on va bombarder sur les cellules. Ensuite, les cellules, on va les cribler et on va ressortir
des cellules qui ont pu capter et intégrer ces gènes-là pour pouvoir les régénérer et donner de nouvelles, des organes ou bien de nouvelles glandes à partir desquelles on va pouvoir ressortir ces métabolites. Donc, également, toutes ces techniques-là, elles aussi vont se heurter à plusieurs difficultés. Entre autres, des difficultés d'ordre pratique, ou bien, si j'ose appeler ça, des difficultés d'ordre industriel. C'est-à-dire, quand on fait de la culture in vitro ou bien de la culture cellulaire, on assiste à une diminution de la synthèse. D'accord ? À partir d'un certain moment, par exemple le catalanthus, à partir d'un certain moment, le rendement, son rendement baisse et il ne devient plus, si économique que cela. Ensuite, vous avez également une fluctuation de l'excrétion. D'accord ? Par exemple, chez Taxus baccata ou bien chez Brevifolia, une baisse de l'oxygène va favoriser la sécrétion de taxol et une augmentation du CO2 va favoriser ou va faire baisser le niveau d'extraction du taxol. Ensuite, il est très difficile également de contrôler les paramètres à un niveau industriel, à un niveau expérimental dans un laboratoire, on peut très bien le faire. Mais à un niveau plus grand, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, il y a plusieurs paramètres, entre autres le pH, les etc., etc., l'agitation, l'aération et la lumière. Maintenant, il y a d'autres problèmes inhérents à la culture in vitro, si vous voulez. Donc, dans plusieurs cas, quand on fait une culture in vitro, on aboutit à la formation de cellules indifférenciées, c'est-à-dire qui ne possèdent pas encore de caractéristiques spécifiques. Donc, elles produisent des molécules qui ne sont pas désirées, d'accord ? Par exemple, chez le catalanthus, la pervenche de Madagascar, à partir de la pervenche, on extrait un métabolite qui est le vinblastine, d'accord ? Qui est utilisé également en oncologie, d'accord ? Quand on fait une culture in vitro de cellules de catalanthus, on n'obtient pas de vinblastine. Même chose, quand on fait une culture cellulaire de pavot, on n'obtient pas de morphine. D'accord ? Il y a un autre problème qui est celui de l'endroit où se trouve le métabolite. Je vous donne un exemple. Par exemple, chez le panache ginseng, ou bien le ginseng, les métabolites se concentrent au niveau des racines. Et on ne parvient pas jusqu'à présent à produire des racines de ginseng au niveau du laboratoire. D'accord ? Donc, un autre paramètre, on retombe toujours sur le paramètre financier, la mise en place de toutes ces techniques-là se heurte également au coût très élevé de la mise en place. Donc, à partir de tout cela, il y a eu en 2005 deux ingénieurs qui font partie de l'INRA de Nancy, qui ont fondé une société qui s'appelle Blunt Advanced Technology et qui a breveté une technique qui s'appelle les frontalement à traire. Donc, c'est quoi cette technique? C'est une technique qui est basée sur la récolte de métabolites secondaires par extraction, et c'est là l'intérêt de cette technique-là, non destructive. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va pouvoir extraire les métabolites secondaires sans arracher des plantes, sans toucher à l'intégrité physique de la plante et sans attendre un nouveau cycle végétatif afin de pouvoir avoir la plante. D'accord ? Tout cela se fait à partir de plantes cultivées en hydroponie. Donc, cette technique-là, elle passe essentiellement par quatre étapes. Donc, la première étape, c'est la culture en hydroponie. Qu'est-ce que la culture en hydroponie? Donc, on prélève des plantes qu'on va mettre en culture dans un milieu liquide. D'accord? Les racines vont être trempées dans un milieu liquide. Le milieu liquide, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau, il y a des éléments nutritifs, des éléments minéraux. D'accord? Et il y a une pompe qui assure la réoxygénation de la plante, la réoxygénation du milieu.
Et il y a une pompe également, une deuxième pompe qui va faire le tour un petit peu. Et l'eau, avec, il va circuler, il va à chaque fois passer d'une plante à une plante pour pouvoir être régénéré, etc., etc. L'intérêt de cette culture en hydroponie, elle a essentiellement deux intérêts. Le premier, c'est de pouvoir, c'est toujours un truc de rationalisation des dépenses. Donc, on va pouvoir doser exactement ce dont a besoin la plante. On ne lui donne pas un kilogramme d'azote ou de nitrate, on va lui donner juste un milligramme de nitrate pour pouvoir croître et se développer. Donc, ça rationalise un petit peu les dépenses. Et deuxième intérêt, c'est que cette fois-ci, on va éliminer le facteur de microbes ou bien des atteintes provenant de l'extérieur, des atteintes biotiques, si vous voulez, qui se trouvent au niveau du sol, dans le sens où on a enlevé carrément le sol, et cette fois-ci, il n'y a plus de microbes qui vont pouvoir, si vous voulez, altérer le rendement de notre plante. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va stimuler la production de métabolites secondaires. Comment va-t-on la stimuler? On la stimule par l'addition de ce qu'on appelle des inhibiteurs. Donc, les inhibiteurs, c'est quoi? Les inhibiteurs sont d'abord de deux types. Ce sont des inhibiteurs biotiques qui proviennent du monde vivant ou bien des inhibiteurs abiotiques, c'est-à-dire des produits chimiques, d'accord? Ou bien des procédés physiques. Tout d'abord, c'est quoi un inhibiteur? Un inhibiteur, c'est tout produit qui induit une succession de réactions chimiques et qui va produire des métabolites qui vont répondre à l'attaque de ces inhibiteurs. D'accord? Ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, de deux types, type biotique et abiotique. Essentiellement, et grosso modo, pour ne pas vous ennuyer un petit peu avec tout ce qui est écrit ici, ça va être soit des fragments de champignons, soit des fragments de bactéries, soit des produits chimiques, soit de l'UV et de détergents. Donc, quand on les met tous ces produits dans le milieu de culture, ils vont induire la production de produits intermédiaires. Les produits intermédiaires, ils vont se fixer sur la paroi de la cellule. Et quand ils se fixent sur la paroi de la cellule, ils vont produire des métabolites secondaires, ce dont on avait parlé tout à l'heure, pour essayer un petit peu de contrer les effets de ces inhibiteurs-là. Donc, à l'état actuel, ce qui est beaucoup plus utilisé, ce sont des produits, des fragments textiles qui proviennent de champignons et de verre, ainsi que des détergents, de l'UV, ainsi que la température. On fait fluctuer la température. Soit on élève la température, soit on fait baisser la température. Donc, troisième pour vous illustrer un petit peu, pardon, avant de passer à la troisième étape, pour vous illustrer l'intérêt ou bien l'avantage d'utiliser ces inhibiteurs-là, je vous ai ramené deux graphes où vous avez des sollicitations des teneurs en sanguinaline. La sanguinaline, c'est un métabolite secondaire qui entre dans la production de dentifrice. D'accord? C'est eux généralement qui enlève la plaque dentaire qui se dépose au niveau de la dentition et qui est extraite de la sanguinaire. Donc, après ajout d'inhibiteur et après 80 heures après ajout, on assiste à un triplement de la fabrication justement de cette sanguinaline. Dans un deuxième exemple, chez les Rhizospermum érythrovisans, nous avons eu, après ajout de méthyle de jasconate, nous avons eu une multiplication également par 3 par rapport au contrôle ici,
de métabolites secondaires. Donc, troisième étape, c'est la perméabilisation des racines. Donc, quand une plante est attaquée, quand elle produit des métabolites secondaires, généralement, elle a tendance à garder ses métabolites dans ses tissus. D'accord ? Et nous, pour pouvoir extraire ces métabolites, qu'est-ce qu'on fait ? On ajoute, tout d'abord, on retire le milieu de culture et on remet de l'eau et uniquement de l'eau. D'accord ? Et on rajoute soit des tensioactifs, à l'image du détergent, exemple de Twinima, soit on émet des ultrasons, ou bien soit on élève la température de l'eau. Et à partir de ce moment-là, on crée un gradient de pression au niveau de la cellule. Quand on crée un gradient de pression au niveau de la cellule, les métabolites secondaires vont avoir ou vont traverser la paroi cellulaire pour pouvoir pour sortir vers le milieu. Et à la fin, on reprend l'eau qui est mélangée avec les métabolites secondaires. Ces métabolites secondaires et l'eau vont passer sur la quatrième étape, c'est-à-dire l'extraction, l'isolation et l'isolation. Et là, je ne vais pas trop insister sur ça parce que tout à l'heure, vous avez un exposé très détaillé concernant ces extractions-là, concernant ces techniques d'extraction, de purification, etc. Encore, je peux citer l'hydrodistillation, ou bien l'entraînement à la vapeur, ou bien l'extraction par micro-ondes. Vous avez également plusieurs autres techniques comme l'électromagnétographie, les méthodes spectro, pour pouvoir séparer essentiellement et on obtient. Également, vous avez ici des méthodes d'identification, ce sont des méthodes colorimétriques, d'accord ? Alors, vous mettez dans un pigment et à partir de ces pigments-là, vous pouvez identifier le métabolite avec lequel vous êtes en train de travailler. Voilà, grosso modo, ce sont les principales, ce sont les quatre étapes par lesquelles on passe pour obtenir ces métabolites. Ça, c'est une planche qui résume un petit peu tout le cheminement par lequel on doit passer pour obtenir ces plantes. Donc, premièrement, on doit choisir les espèces, on doit les approvisionner, c'est-à-dire les ramener dans un laboratoire. Ensuite, on les place dans une culture hydroponique, on les élicite, comme c'est montré ici. Ensuite, on les perméabilise pour pouvoir recueillir les métabolites dans l'eau et ensuite on les extrait et on les purifie. Donc, également pour un petit peu vous montrer les capacités de cette technique-là qui est déjà un petit peu vieille, puisqu'elle date de 2005. Vous avez ici un essai de rendement concernant des flavonoïdes prélinés et des dérivés. Donc, sans utilisation d'un rendement en culture naturelle, c'est-à-dire que vous allez arracher la plante et vous allez essayer de l'extraire, vous avez 0,02, si je me souviens bien, c'est en grammes par mètre carré par an. Vous avez un rendement qui va atteindre jusqu'à 5 grammes par mètre carré par an. Et en faisant la culture hydroponique associée à la perméabilisation et associée à l'élicitation, vous allez parvenir à 10,2 grammes par an par mètre carré par an. Donc, un petit peu pour résumer ça, dans ces conditions de rendement, vous avez le rendement qui se fait dans 1000 mètres carrés en culture naturelle équivaut à un rendement à 44 hectares en champ. D'accord ? Deuxième exemple, également concernant une plante qu'on appelle la datura, et par effet, on extrait la scopolamine. D'accord ?
Donc, en condition naturelle, on extrait 0,06 grammes par mètre par an. Et en condition de plantateur, on extrait 0,45, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 6 ou bien le rendement par an par 7,5 concernant ces délibérants. Troisième exemple, exemple des acides chlorogéniques, même concours, dans ces conditions, dans les conditions de mise en place d'une culture hydroponique, des citations, etc., vous allez obtenir un rendement sur 1000 mètres carrés, vous allez obtenir un rendement qui se fait généralement et habituellement en 30 hectares de champ. Donc, tout cela a déjà été effectué par le vent. C'est-à-dire que ce n'est pas une invention ou bien le fruit d'un effort. C'est juste que je vais essayer un petit peu sortir de ce truc-là. Donc, j'ai travaillé dans des conditions de laboratoire. Et ensuite, je suis parti pour travailler dans des conditions de champ. Il y a de très gros problèmes, que ce soit en laboratoire ou bien que ce soit en champ. Donc, l'idée de cet embryon de projet est un petit peu de faire un projet multidisciplinaire, si vous voulez, qui va rassembler un ensemble de gens. À l'exemple de botanistes, ils vont avoir le rôle, dans un premier temps, de réidentifier les plantes qui se trouvent au niveau du territoire national. Je vous dirais qu'au niveau du territoire national, on travaille avec une flore qui date de 62. D'accord ? Donc, il va falloir réactualiser la chose pour pouvoir identifier les plantes. Un petit peu également pour vous montrer le truc, parce que si on ne fait pas nous les choses, il y en a d'autres qui vont s'occuper de faire la chose. Donc, il y a des gens qui se trouvent en Suisse qui sont en train de revoir la flore permanente. D'accord ? Avec tout ce que ça sous-entend plus tard concernant le, entre parenthèses, le vol de plantes et le vol de. Voilà. C'est pour ça que les gens ont mis en place justement le processus de Nagoya pour pouvoir un petit peu essayer de protéger tout ce qui est savoir national. Parmi ces 4000 plantes, par exemple, il y a 600 plantes qui ont été identifiées intermédicinales depuis 1999. Vous pouvez compter les années, ça fait pratiquement 20 ans. Et en 20 ans, on peut faire énormément de choses. D'accord ? Donc, deuxième chose, pourquoi nous, on va essayer d'intégrer également les pharmacologistes et les chimistes ? Parce que les pharmacologistes et les chimistes, en nous donnant le nom de du métabolite, on peut, nous, botanistes, partir vers le genre ou la partir vers la famille, parce que généralement, quand une espèce qui appartient à un genre produit un métabolite, généralement, on le trouve chez l'ensemble du genre. D'accord ? Donc, c'est eux qui vont nous guider pour pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il faut chercher en premier. Ensuite, vous avez également le contrôle de la culture en condition de la culture, le contrôle de la culture d'élicitation, le contrôle de l'environnement de culture et le contrôle des interactions entre les espèces. Ça va être le rôle des physiologistes et des gens qui ont mis en place la culture de ces plantes. Donc, voilà, grosso modo, c'est la technique-là. Et l'embryon de projet que j'essaie de mettre en place, je pense qu'il y a des gens qui ont fait ça. Je vous remercie. Avec déjà la question. Comment ça va? Bon, j'ai eu c'est Japon. Hein? Oui, c'est certainement Japon. Je n'étais pas au courant de cette technique. Donc, j'ai eu, dans le cadre de ma thèse d'État,
de travailler sur la culture in vitro. Effectivement, c'est les problèmes que vous avez cités. J'ai travaillé sur des crucifères pour essayer de produire les glucosides malades. Le problème, c'est comme vous l'avez cité, c'est qu'au bout d'un certain moment, la plante, malgré ce qu'on lui donne, nutriments, etc., environnement, elle refuse. Donc l'explication qui a été avancée, c'est que la biosynthèse d'un produit passe par plusieurs étapes. Il suffit qu'un gène ne s'exprime pas et vous avez le processus qui est arrêté. Donc, je reviens à ma question. C'est que, est-ce que cette technique, ou ce que vous proposez, a eu des applications industrielles? Oui, actuellement. Oui. Cette question. Deuxième question, c'est quand vous utilisez des illicites. Vous parlez de métaux lourds et de détergents. Est-ce que, parce que la plante a cette capacité de d'épuiser ce qu'elle a sous le sol. Donc, est-ce qu'il y a eu un impact après sur la qualité du produit? Et troisième question, c'est quand vous utilisez, vous stressez la plante, est-ce qu'au bout d'un moment, vous parlez d'une élévation de la concentration? Et puis après, est-ce que ça dure dans le temps? Ou est-ce que vous allez la stresser tout le temps? D'accord. Donc, concernant la première question, jusqu'à présent, depuis 2005 et jusqu'à présent, l'application. Voilà. Il y a près de 200 plantes qui sont passées par les laboratoires et par les procédés. Voilà, par ce procédé-là. Et on arrive justement à extraire, par exemple, le taxol ou bien tout ce qui est métabolite secondaire qui provient de la terre blanche de Madagascar. On arrive à l'avoir grâce à ces procédés-là. Donc, il y a l'application. Oui, ça a été. On fabrique à partir de il y a, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une société allemande, suisse allemande, la BASF, qui produit à partir de ces molécules-là et qui a un contrat d'exclusivité avec cette société-là pour la fourniture de ces métabolites afin de fabriquer les médicaments. Ensuite, concernant le deuxième. Donc, c'est. Comment vous dire c'est un état expérimental actuel. Actuellement, le plus gros de l'incitation se fait grâce à l'UV, se fait grâce à la pression, l'élévation de la température et à la vaporisation de produits provenant des bactéries. Donc, pour le moment, c'est à l'état expérimental et justement, c'est le problème auquel se heurtent les scientifiques qui travaillent sur ce phénomène-là. Et donc, les concentrations. Voilà. Ces concentrations, ils ont vu qu'à partir d'un certain moment, les métaux lourds bloquent tout processus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, pas de rétention, mais il y a un blocage, tout le métabolisme s'arrête, il n'y a plus de réponse vis-à-vis de ces élicites. Maintenant, concernant la troisième question, qui est le plateau vers lequel on arrive, parce que jusqu'à maintenant, sur les 700 espèces qui ont été utilisées dans cette technique-là, l'élicitation dure 3 jours. Ensuite, l'extraction des métabolites dure 1 semaine jusqu'à 2 semaines maximum. Ensuite, les plantes sont remises encore à l'usure. Donc, elles vont passer, elles vont y avoir jusqu'à 7 à 8 cycles par plante. Donc, la plante, elle peut produire 7 à 8 cycles. Et généralement, on a assisté, on a vu qu'à partir du 7e cycle, le rendement de la plante commence à baisser. Donc, on va la changer, on va la détruire, on va changer et refaire une autre cycle. Merci, merci pour la présentation. Donc, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Je voudrais poser deux questions sur d'éventuelles limites de la technique. La première limite, elle est dans le chimie, en termes de quantité de métabolites. Apparemment, après le procédé que vous avez expliqué,
il y aura certainement un passage dans la prise de jeton vers un milieu tactique. Donc, pour les métabolismes secondaires, qui sont dans le milieu tactique, c'est-à-dire le fonctionnement temporaire, puisque ça constituerait une limite au niveau de l'extraction importante. Et bien, cette technique serait valable uniquement pour certains métabolismes qui seront plus, qui seraient plutôt au polaire, mais non pas au polaire. Ma deuxième question sur une limite anatomique. C'est-à-dire, vous avez expliqué surtout si c'était racine. Est-ce que pour des métabolismes qui seraient plus concentrés dans une partie aérienne, cette limite peut représenter une limite, ou bien à défaut, est-ce qu'on peut adapter cette limite pour des parties aériennes, ou carrément de membres de type animal, c'est-à-dire qu'il pourrait éventuellement avoir des extractions par des. Donc, concernant le premier point, je saurais vous répondre. Donc, je suis pas chimiste, mais de ce que j'ai lu, parce que ça fait quand même ça fait une année que je suis en train de repasser le truc. De ce que j'ai lu, il y a pas de souci, ou bien on n'a pas parlé de ce problème-là, ou bien je sais pas s'il y a d'autres divulgations qui font référence à ça. Ensuite, concernant la deuxième question, on s'est aperçu qu'il y a eu ce problème justement parce qu'il faut savoir que les métabolites secondaires sont des métabolites qui sont stockés essentiellement dans les vacuoles, d'accord, qui se trouvent en grande quantité dans la partie aérienne. Donc, on s'est heurté à ce problème-là. Puis, il y a eu un technicien qui a eu l'ingénieuse idée, je ne sais pas, il n'a rien fait, de prendre la plante et d'asperger directement les racines par ces hélicides-là. Et comme par hasard, la plante, au niveau des feuilles, a commencé à descendre et à goûter à partir des racines. Donc c'est à partir de là qu'on a pris une autre alternative. Au lieu de mettre directement les hélicides au niveau du milieu de culture, on retire les plantes, on les asperge d'hélicides, on les replonge dans le milieu. 3 minutes après, il y a un autre vaporisateur qui revient et qui refait la même chose à l'intérieur de 60. Donc, et à partir de là, on a pu dépasser ce problème. Donc on a des questions des intervenants en ligne, c'est Monsieur Hamid Shrib. La technique PAT est-elle appliquée en Algérie par un quelconque laboratoire de recherche? Non. Il est uniquement appliqué. Comme c'est un procédé qui a été breveté. Donc, pour pouvoir accéder, il va falloir soit acheter le procédé. Donc, c'est très difficile. Et deuxièmement, le système de brevetage fait que cette technique-là va tomber dans le domaine public à partir de 50 et 20 ans après le dépôt de brevet. Donc, dans 5-6 ans, va être public. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été utilisé, mis à part dans cette société-là. Il y a, à ma connaissance, il y a un laboratoire ici qui se trouve au niveau de l'Ibra de Harash, M. Khnifi Bakhtar, qui travaille sur ces méthodes-là, mais pas dans le sens de plantes entières, mais il travaille beaucoup plus sur les chevelus, racinage. D'accord ? Et donc, il est parvenu, grâce à l'hélicitation et grâce à la perméabilisation, à retirer des métabolites. Et faire de la recherche, voilà. D'ailleurs, ce sont des chiffres qui ont été obtenus à partir de la publication de M. Une deuxième question de Madame Karima Benguedouer. Est-ce qu'il y a la même production de métabolites secondaires après chaque stress? Est-ce que la méthode est standardisée et a un rendement stable? Oui.
C'est standardisé, c'est normalisé. C'est passé par tout le processus de standardisation. C'est totalement en stade efficace. Oui, je vais me permettre. Je vous remercie, Michel, premièrement, pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Donc, d'après ce que j'ai compris, on doit utiliser une nutrient field technique, la technique de la hydroponique de la pente. Donc, pas nécessairement de la pente. Hein. Oui, il y en a d'autres, oui. Crabes qui et d'autres gens. Donc, ma question, je voudrais bien savoir, est-ce que vous avez parlé ici, par exemple, dans ces histogrammes, de ce qui est majoritaire comme métabolite, ou est-ce qu'il, et je parle aussi, est-ce qu'il y a une sélectivité en stressant avec en stressant la plante, est-ce qu'on peut sélectionner les métabolites? Vous avez une production brute, vous avez une production brute, et à partir de la clientèle, vous avez des méthodes d'extraction, ceux qui font la sélectivité. Vous n'avez pas une sélectivité à partir des résultats. Donc c'est un produit majoritaire dans le. D'accord. Donc c'est un problème qui est un problème de sélectivité apparenté. D'accord. Donc une autre question, est-ce que vous avez songé, est-ce qu'ils ont songé, vous et les chercheurs qui sont dans ce domaine, à utiliser comme d'autres paramètres à part l'UV, la température et les métaux lourds, donc l'enrichissement en CO2 par exemple, l'éclairage, les temps d'éclairage, ils vont changer les temps d'éclairage et tout. Sont donc c'est. Non, moi je l'ai pas essayé. D'accord, merci. S'il vous plaît, je voudrais juste savoir, est-ce que ce technique est valable pour toutes sortes de types de plantes? Par exemple, si on parle de plantes aériennes, qui font la particularité de pousser dans des conditions vraiment dures. On peut faire ça pour des plantes. À partir du moment qu'on peut la mettre en culture dans un milieu hydroponique, bon. La décompétition. Voilà. Pour ce qui est de la comparaison des rendements, parce que je n'arrive pas à lire en premier, c'est quoi? Donc vous avez comparé le récolte traditionnelle en conditions naturelles, c'est pas dire que vous allez prélever la plante, vous allez prélever la plante dans son milieu naturel, vous allez l'arracher, vous allez extraire les métabolites, et voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez 1,06 grammes par mètre carré de culture par an. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre toutes les plantes qui se trouvent dans un mètre carré, vous allez les arracher, vous allez extraire le métabolite, et voilà ce que vous obtenez, 0,06. Alors que si vous faites, à partir de cette technique-là, vous allez obtenir un rendement supérieur de 7. Oui. Oui, on a eu. Donc, on a une question de Madame Samira Eit Moussa. Est-ce que l'utilisation des illiciteurs ne stresse pas certaines espèces de plantes et par conséquent donnerait des métabolites secondaires inattendus qui auraient probablement des propriétés biologiques et pharmaceutiques nouvelles? Oui, et c'est justement le but. Parce qu'en travaillant sur des plantes algériennes qui n'ont pas été travaillées ailleurs, on va sûrement aboutir à ça. D'où l'intérêt de ramener des pharmacologues avec nous, des chimistes, pour pouvoir, dans un premier temps, purifier le métabolite, et dans un deuxième temps, l'identifier, et dans un troisième temps, d'effectuer tout ce qui est. Voilà, tout ce qui est test biologique, etc. Tout d'abord, monsieur, je vous félicite pour votre présentation. Ma question concernant la culture des plantes, est-ce qu'elle est effectuée dans une chambre de culture spécialisée et bien contrôlée en termes d'humidité et de température? Le cerf, c'est normalement tout est contrôlé. De l'hygrométrie jusqu'à
jusqu'à la quantité de molécules à donner à la plante. C'est le nez, si quand vous partez plus tard à une échelle industrielle, ça devient moins contraignant que quand vous partez dans des champs. Je pense que le processus est même un peu d'expérimenter sur une paillasse. Hein. Oui, on va expérimenter sur une paillasse, c'est comme si sur une chambre. On a déjà songé à faire ça. On a déjà un prototype qui existe sur la nature. Oui, pourquoi pas. Moi, je voudrais juste revenir sur le problème pour reprendre justement ce processus. Moi, je suis un peu dans le domaine in silico, dans la recherche cette partie-là pour le moment, on va faire ça à mon niveau. À mon niveau, moi personnellement, de travail personnel, je vais vous parler de ce que j'ai effectué. Premièrement, j'ai fait AMC, j'ai couché sur papier le procédé, c'est-à-dire la mise en place de la culture, ma quantité de nutriments à donner, le processus de l'acidation, la fertilisation, la mise en place de la culture dans un milieu chambrier. J'ai commencé à prospecter des plantes, donc je l'ai fait à mon niveau, là où je travaille maintenant. Des champs d'expérimentation. Non, pas de champs d'expérimentation. À l'heure actuelle, je suis en train de récolter toutes les informations concernant l'utilisation des plantes sous toutes leurs formes, et ce soit les parties des plantes ou bien la forme d'utilisation au niveau de la population des Horaces. Voilà ce que je suis en train de faire. Je suis arrivé à cette partie. Donc, les autres trucs, tout ce qui est chimiste, je ne cache pas que. Donc, j'ai des notions de chimie. Mais pour vous dire ça, que je pourrais éventuellement vous parler de physiologie végétale. Mais moi, à mon niveau, c'est la culture qui me trouve et les plantes sauvages. C'est pour ça que je viens ici pour lancer des invitations. Aux gens qui seraient intéressés par former un pool de génétique, on peut faire un réseau de botanistes pour un petit peu essayer d'inventorier les plantes, ensuite un réseau de chimistes pour. Il faut faire un tour. Je lance un appel à. Au montage d'une étude multidisciplinaire pour pouvoir un petit peu commencer à. Oui, je vous remercie pour votre présentation. Moi, j'ai un petit questionnement qui me perturbe. Donc, vous avez, si j'ai bien compris, les métabolites secondaires sont effets pour la croissance de l'évolution ou bien d'une adaptation
au mieux. Si, par exemple, dans une localité bien déterminée, les gens font usage d'une plante pour traiter une quelconque maladie. Donc, je pense que la plante, dans son milieu naturel, elle est soumise à ces conditions naturelles. Donc, elle a certainement la réaction vis-à-vis de son stimulus à son environnement. Est-ce que la technique des plantes à trait, la technique des illiciteurs, est-ce qu'elle peut se substituer à un stimulus naturel, mais vous êtes en compte pour sécréter la substance bien déterminée qui est sécrétée dans des conditions naturelles. Combien est-ce que c'est en condition de genre de culture ou bien quand vous pouvez reproduire absolument tout ce qui se trouve à l'état naturel? Si vous pouvez jouer sur l'hygrométrie, vous pouvez jouer sur la température. Donc, il va falloir identifier la source de stress qui stimule la sécrétion ou le métabolisme. Il va falloir le bien. Justement, c'est dans ce sens qu'on a intégré également des physiologistes pour pouvoir un petit peu reproduire ce qui se trouve en dehors pour pouvoir voir le même. Merci. Voilà. D'accord. Je remercie ceux qui nous suivent de l'extérieur. Merci d'avoir participé avec nous. Je remercie les communicants, l'occurrence professeur Christophe, parce que nous avons deux docteurs ici. Nous sommes des chimistes. Voilà, et monsieur Docteur, monsieur Bazis. Nous ont un petit peu amené dans une aventure très, très fructueuse ce matin, sachant que ce monde des plantes médicinales, aromatiques et médicinales, constitue sur le plan scientifique un grand domaine sur lequel le centre va aussi se pencher. Pour l'économie aussi, c'est une question très pertinente qu'il faut maintenant travailler en tant que chercheur, en tant que professionnel, pour servir, réglementer cet espace d'activité. Et bien sûr, je pense que sur le plan scientifique, on a beaucoup de choses à faire développer autour de cela. Et j'espère que les gens qui nous ont suivis de moi et ont participé, d'avoir l'amabilité aussi de travailler avec le centre de Richard. Voilà, merci. Merci.